Originaire de Grenoble, Philippe Streff est âgé de 30 ans. Après le karting et un titre de champion de France de Formule 3, il accède rapidement à la F2 chez AGS. De Gérard Larousse, il devient ensuite pilote essayeur de l'équipe Renault Elf. Il effectue ses véritables débuts en F1 au Grand Prix du Portugal 84. C'est en Formule 3000 que Streff se révèle et fait l'étalage de ses qualités. À 4, je suis à 8 mètres dans les couches. Je réfléchis bien, je demande. À deux reprises, à Zellweg et à Zandvoort, il frôle la victoire après avoir mené la course. Permettre de franchir le pas et d'accéder à la Formule 1 d'une manière plus assidue. À Monza, il est au volant d'une Ligier. Philippe Streff fait ses classes avec un premier objectif, terminer ses courses. Australie, dernier Grand Prix de la saison, en lutte avec son coéquipier Jacques Lafitte pour la deuxième place et l'accrochage dans le dernier tour. La carrière de Philippe Streff en F1 aurait pu s'arrêter là. Mais K1K, tant bien que mal et miraculeusement, Streff termine troisième. C'est son premier podium et l'ouverture vers d'autres horizons. C'est officiel, Philippe Streff défendra en 86 les couleurs de l'équipe Tyrrell. À travers les méandres et les incertitudes de l'intersaison, Streff a réussi à préserver sa place en Formule 1. Un obstacle décisif sur la trajectoire de sa carrière. Oui, ça va mieux, ça a été un hiver très difficile. Maintenant, fini les angoisses, j'ai enfin un volant en Formule 1. Et pas n'importe lequel, puisque chez Ken Tyrrell, c'était mon souhait. C'est une écurie prestigieuse qui a un passé avec 3 titres mondiaux, des pilotes comme Jackie Stewart, Didier Pironi, Alboreto également, qui est passé 3 ans chez lui. Donc pour moi, Ken Tyrrell représente quelque chose et je pense que l'écurie a un grand potentiel à l'avenir, puisque maintenant, plusieurs paramètres me permettent de penser, notamment paramètres financiers avec nouveaux sponsors, Data General, de bons moteurs, moteur Renault, de bons pneumatiques avec Goodyear, donc tout se présente très bien. Thank you.
De toute façon, bon, tu vas t'habituer à la voiture. Bon, au niveau du régime moteur, c'est 10 000 tours maximum. Bon, au début, tu verras, essaye d'avoir 8 000, à 9 000, à 10 000, si tu arrives. On peut faire un petit essai de radio, là. Attention, ne pas caler. Heureusement, derrière moi veille Philippe, mon prof. Thank you.
Originaire de Grenoble, Philippe Streff est âgé de 30 ans. Après le karting et un titre de champion de France de Formule 3, il accède rapidement à la F2 chez AGS. Gérard Larousse, il devient ensuite pilote essayeur de l'équipe Renault-Elf. Il effectue ses véritables débuts en F1 au Grand Prix du Portugal 84. C'est en Formule 3000 que Streff se révèle et fait l'étalage de ses qualités. À 4, je suis à 8 mètres dans les couches. Réfléchis bien, je demande. À deux reprises, à Zellweg et à Zandvoort, il frôle la victoire après avoir mené la course. Et d'accéder à la Formule 1 d'une manière plus assidue. À Monza, il est au volant d'une Ligier. Philippe Streff fait ses classes avec un premier objectif, terminer ses courses. Dernier Grand Prix de la saison, en lutte avec son coéquipier Jacques Lafitte pour la deuxième place et l'accrochage dans le dernier tour. La carrière de Philippe Streff en F1 aurait pu s'arrêter là. Mais K1K, tant bien que mal et miraculeusement, Streff termine troisième. C'est son premier podium et l'ouverture vers d'autres horizons. C'est officiel, Philippe Streff défendra en 86 les couleurs de l'équipe Tyrrell. À travers les méandres et les incertitudes de l'intersaison, Streff a réussi à préserver sa place en Formule 1. Un obstacle décisif sur la trajectoire de sa carrière. Oui, ça va mieux, ça a été un hiver très difficile. Maintenant, fini les angoisses, j'ai enfin un volant en Formule 1. Et pas n'importe lequel, puisque chez Ken Tyrrell, c'était mon souhait. C'est une écurie prestigieuse qui a un passé avec 3 titres mondiaux, des pilotes comme Jackie Stewart, Didier Pironi, Alboreto également, qui est passé 3 ans chez lui. Donc pour moi, Ken Tyrrell représente quelque chose et je pense que l'écurie a un grand potentiel à l'avenir, puisque maintenant plusieurs paramètres me permettent de penser, notamment paramètres financiers avec nouveaux sponsors, Data General, de bons moteurs, moteur Renault, de bons pneumatiques avec Goodyear, donc tout se présente très bien. Thank you.
donc tu vas t'habituer à la voiture. Bon, au niveau du régime moteur, c'est 10 000 tours maximum. Bon, au début, tu verras, essaye d'avoir à 8 000, à 9 000, à 10 000, si tu arrives. On peut faire un petit essai de radio, là. Attention, ne pas caler. Heureusement, derrière moi veille Philippe, mon prof. Thank you.
Originaire de Grenoble, Philippe Streff est âgé de 30 ans. Après le karting et un titre de champion de France de Formule 3, il accède rapidement à la F2 chez AGS. De Gérard Larousse, il devient ensuite pilote essayeur de l'équipe Renault-Elf. Il effectue ses véritables débuts en F1 au Grand Prix du Portugal 84. C'est en Formule 3000 que Streff se révèle et fait l'étalage de ses qualités. À deux reprises, à Zellweg et à Zandvoort, il frôle la victoire après avoir mené la course. Et d'accéder à la Formule 1 d'une manière plus assidue. À Monza, il est au volant d'une Ligier. Philippe Streff fait ses classes avec un premier objectif, terminer ses courses. Dernier Grand Prix de la saison en lutte avec son coéquipier Jacques Lafitte pour la deuxième place et l'accrochage dans le dernier tour. La carrière de Philippe Streff en F1 aurait pu s'arrêter là, mais K1K, tant bien que mal et miraculeusement, Streff termine troisième. C'est son premier podium et l'ouverture vers d'autres horizons. C'est officiel, Philippe Streff défendra en 86 les couleurs de l'équipe Tyrrell. À travers les méandres et les incertitudes de l'intersaison, Streff a réussi à préserver sa place en Formule 1. Un obstacle décisif sur la trajectoire de sa carrière. Oui, ça va mieux, ça a été un hiver très difficile. Maintenant, fini les angoisses, j'ai enfin un volant en Formule 1. Et pas n'importe lequel, puisque chez Ken Tyrrell, c'était mon souhait. C'est une écurie prestigieuse qui a un passé avec 3 titres mondiaux, des pilotes comme Jackie Stewart, Didier Pironi, Alboreto également, qui est passé 3 ans chez lui. Donc pour moi, Ken Tyrrell représente quelque chose et je pense que l'écurie a un grand potentiel à l'avenir puisque maintenant plusieurs paramètres me permettent de penser, notamment paramètres financiers avec nouveaux sponsors, Data General, de bons moteurs, moteur Renault, de bons pneumatiques avec Goodyear, donc tout se présente très bien. Thank you.
façon bon, tu vas t'habituer à la voiture. Bon, au niveau du régime moteur, c'est 10 000 tours maximum. Bon, au début, tu verras, essaye d'avoir à 8 000, à 9 000, à 10 000, si tu arrives. On peut faire un petit essai de radio, là. Attention, ne pas caler. Heureusement, derrière moi veille Philippe, mon prof. Thank you.
Originaire de Grenoble, Philippe Streff est âgé de 30 ans. Après le karting et un titre de champion de France de Formule 3, il accède rapidement à la F2 chez AGS. De Gérard Larousse, il devient ensuite pilote essayeur de l'équipe Renault-Elf. Il effectue ses véritables débuts en F1 au Grand Prix du Portugal 84. C'est en Formule 3000 que Streff se révèle et fait l'étalage de ses qualités. À 4, je suis à 8 mètres dans les couches. Réfléchis bien, je demande. À deux reprises, à Zellweg et à Zandvoort, il frôle la victoire après avoir mené la course. Le pas et d'accéder à la Formule 1 d'une manière plus assidue. À Monza, il est au volant d'une Ligier. Philippe Streff fait ses classes avec un premier objectif, terminer ses courses. Dernier Grand Prix de la saison, en lutte avec son coéquipier Jacques Lafitte pour la deuxième place et l'accrochage dans le dernier tour. La carrière de Philippe Streff en F1 aurait pu s'arrêter là. Mais K1K, tant bien que mal et miraculeusement, Streff termine troisième. C'est son premier podium et l'ouverture vers d'autres horizons. C'est officiel, Philippe Streff défendra en 86 les couleurs de l'équipe Tyrrell. À travers les méandres et les incertitudes de l'intersaison, Streff a réussi à préserver sa place en Formule 1. Un obstacle décisif sur la trajectoire de sa carrière. Oui, ça va mieux, ça a été un hiver très difficile. Maintenant, fini les angoisses, j'ai enfin un volant en Formule 1. Et pas n'importe lequel, puisque chez Ken Tyrrell, c'était mon souhait. C'est une écurie prestigieuse qui a un passé avec 3 titres mondiaux, des pilotes comme Jackie Stewart, Didier Pironi, Alboreto également, qui est passé 3 ans chez lui. Donc pour moi, Ken Tyrrell représente quelque chose et je pense que l'écurie a un grand potentiel à l'avenir puisque maintenant plusieurs paramètres me permettent de penser, notamment paramètres financiers avec un nouveau sponsor Data General, de bons moteurs, moteur Renault, de bons pneumatiques avec Goodyear, donc tout se présente très bien. Thank you.
façon, bon, tu vas t'habituer à la voiture. Bon, au niveau du régime moteur, c'est 10 000 tours maximum. Bon, au début, tu verras, essaye d'abord à 8 000, à 9 000, à 10 000, si tu arrives. On peut faire un petit essai de radio, là. Attention, ne pas caler. Heureusement, derrière moi veille Philippe, mon prof.
Originaire de Grenoble, Philippe Streff est âgé de 30 ans. Après le karting et un titre de champion de France de Formule 3, il accède rapidement à la F2 chez AGS. Gérard Larousse, il devient ensuite pilote-essayeur de l'équipe Renault-Elf. Il effectue ses véritables débuts en F1 au Grand Prix du Portugal 84. C'est en Formule 3000 que Streff se révèle et fait l'étalage de ses qualités. À 4, je suis à 8 mètres dans les poches. Réfléchis bien, je demande. À deux reprises, à Zellweg et à Zandvoort, il frôle la victoire après avoir mené la course. Permettre de franchir le pas et d'accéder à la